ton chien, il a pas l'air de filer. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Il vomit tout le temps ces temps-ci. Ça va être, elle l'a mis sur une diète spéciale, là. Tu l'as converti au sans gluten? Non, c'est une diète hypoallergène, là. Genre, il digère pas une sorte de protéines. Hein, mon beau garçon? Oui, mon beau garçon. Oui, ça va aller mieux avec ta nouvelle diète. Oui, mon garçon. Moi aussi, je change ma diète en ce moment. J'ai décidé que j'allais avoir une alimentation plus éthique. Moins de viande, moins d'œufs, moins de lait, moins de fromage. Puis là, j'ai mon permis de chasse aussi, fait que éventuellement, je vais pouvoir aller manger de la viande que j'ai moi-même prélevée dans la nature. Comme ça, je vais savoir que les animaux que je mange, ils ont eu une bonne vie à l'état sauvage. Puis le reste de l'année, quand tu iras pas à chasse, tu vas faire quoi? Je pourrais m'abonner à un panier de viande bio. Là, au moins, tu sais que les animaux sont élevés dans des bonnes conditions. Puis quand ils sont abattus, c'est fait humainement. Pis toi, tu penses qu'ils vont quoi, y chanter une berceuse à ton bébé mouton avant de le tuer? La viande d'élevage, là, c'est responsable de 18% des gaz à effet de serre. Produire un kilo de porc, ça génère 23 kilos de caca. Puis quand ce caca-là il est répandu sur les terres comme fumier, les sols font des overdoses d'azote et de phosphore, ça se ramasse dans les nappes phréatiques, puis ça pollue les cours d'eau. La viande bio, c'est bien mieux. Dans le fond, tu dis juste ça pour te sentir moins coupable de manger de la viande, là. Mais la vérité, là, c'est que tu vas quand même enlever la vie d'un être vivant qui a rien demandé. Ouais. Avant, je mangeais 2 œufs à tous les matins. Mais maintenant que je le sais que les poules pondeuses sont enfermées dans des enclos qui ont la superficie l'équivalent d'une feuille de papier, ben j'ai arrêté ça. Puis j'ai appris pour les vaches aussi. Savais-tu qu'elles sont genre violées sans arrêt pour produire du lait? Puis quand elles sont plus bonnes, on en fait du steak haché. Hey, tu veux pas être une vache? Depuis que je sais ça, moi je prends du lait d'amande, du lait de soya ou du lait de riz. Je veux pas gâcher ton fun, Lily, mais ton lait d'amande, là, il est responsable d'une des pires sécheresses de toute l'histoire de la Californie. Sais-tu combien ça prend d'eau pour faire une amande? 5 litres! 5 litres pour une fucking amande! Ton lait de soya, là, c'est pas mieux. Ça détruit les terres dans les pays défavorisés. C'est plein d'hormones pis d'OGM en plus. Pis on s'entend-tu que le lait de riz, y a fuck all là-dedans? Non, pour de vrai, on s'en sort pas, Lily, là, sérieux. Même ta poule en liberté, là, a beau avoir des meilleures conditions de vie que mon chien, elle a quand même été séquestrée toute la journée pis forcée de fournir un travail non rémunéré. C'est carrément de l'esclavage. C'est quoi ça? T'es pas végétarienne, toi? Non.